Bonjour YouTube, bienvenue sur ce troisième épisode de Satisfactory, pendant que nous faisons des Iron Rod. Le jeu n'en peut plus, qu'est-ce qui se passe? Il a décidé que ce serait compliqué. Mineur MK1, ah mais c'est parce que je suis pas dans le... Voilà, dans le mode curseur ancré de Shadow. Kentaford, ah j'ai pas assez de concrete. C'est fou, t'as vu comme les épisodes vont vite quand t'es en live. Finalement t'es un peu un chanceux quoi, d'être ici. Les coulisses de YouTube. Bah je vais essayer de faire des replays un peu plus propres quand même, parce que les vidéos de 4 heures à l'arrache postées... Je me dis que c'est pas digeste. Il y a que quiche pour regarder ça. Bah après ça se fait hein, de mettre tu te mets un live en fond sonore pendant que tu fais autre chose. Mais... C'est quand même plus rigolo les vidéos de 30 minutes au moins. Je faisais 15 minutes à l'époque où je faisais que du YouTube. Là je me dis que 30 minutes c'est pas mal. Les gens sont prêts pour 30 minutes maintenant. Comment ça va Kuda? Bien dormi. Il va peut-être falloir que j'allume la lumière au bout d'un moment parce que je suis de plus en plus sombre. C'est pas ça que je veux. C'est un mineur MK1 que je vais envoyer dans l'autre truc. Donc par là. Et je n'aurai jamais assez pour faire toute ma convoyeur belt. Il me faut 16 iron plates. Le problème c'est que la chaîne de production qui me fait des iron plates c'est elle. Ou alors... J'attends que lui ait miné un peu. Bah ça marche ouais, je suis sur le Shadow PC du coup et en fait je stream tout le Shadow PC, c'est-à-dire que là si je fais Alt Tab, vous voyez j'ai qu'une seule application, j'ai pas OBS ou quoi, parce qu'en fait c'est sur un autre PC. Je stream leur fenêtre quoi. Comme si j'avais deux PC. Pourquoi il est... Pourquoi il est cassé? No power. Tout est cassé. Et j'ai scanné un truc qui avait rien à voir. J'ai tout cassé. C'est un jeu où on ne dort pas. Ça fait 2 jours que je vois la nuit passer. Donc ça fait 2 jours. Hein. Aucun moment t'as besoin de dormir. Tu travailles, t'es pas là pour glander. Hop. Donc un overloadé. Ah mais du coup il est peut-être overloadé. Genre il y a trop de trucs à... Trop de consumptions. Ça consomme trop. Ça consomme trop monsieur.
Il va falloir arrêter là. Vous consommez trop. Oh là là. Rebi Gaston. Big Gaston, est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Big ou qu'on t'appelle Gaston? Ou Ston? Ou Biga? Ou Bigasto? Ou Asto? Ou Ston? Ou Stonton? Big Biga. Donc Big, ça te va. Très bien. Alors que faire? Il faudrait que je fasse un... Hein? Faudrait que j'en fasse un. Non, ça je m'en fous. Je l'ai pas encore, c'est ça. C'est là que je vais l'avoir, le nouveau biomass burner. Ouais, bah c'est ça. C'est ça, mais voilà, mais c'était sûr. Comme on dit. Stormy Big Z. C'est des vieilles refs, ça. Je dis pas que t'es vieux, hein. Je dis juste que... Tout le monde va pas les comprendre. Parce que moi, je les connais aussi, donc si t'es vieux, on est vieux tous les deux. Ouais, bah il va me falloir... Il va me falloir... Je sais pas ce qu'il va me falloir. Comment ça? T'envoies deux. Je comprends pas. Je peux pas crafter le deuxième brûleur parce qu'il faut que je... finisse l'upgrade pour ça. Et j'en suis pas là. Du coup... Un petit peu déçu. Non mais ce qu'on va faire c'est qu'on va juste... virer ça, hein, tant pis. Ça y est, c'est remis, oui. On va virer ça, tant pis. On... Encore ? Il a cramé. Je crois qu'il a cramé. Ça a fait pouf. Hein? Mais il y en a un deuxième? T'as un Discord à toi, Gaston? Moi aussi j'ai un Discord à moi, mais je vous l'ai pas dit. Mais comment ça? Mais pourquoi ça? Alors déjà, j'en ai déjà un deuxième, ici. Je viens de l'apprendre. Donc... on va mettre là. Et on va faire une power line entre ça et... non, je vais faire un power pole d'abord. Et ensuite une power line entre celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Est-ce que ça fait un court-circuit ou est-ce que ça marche? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut remettre ça à ça. Et là, on est bon. Non? Tout est pété? Ah non, c'est bon. Parce qu'ils sont connectés ensemble. Bah, je viens de voir que j'en avais déjà un deuxième, donc c'est vachement pratique quand même. Donc, moi j'en étais là, à devoir attendre ici mes iron plates pour pouvoir faire mes convoyeur belts. Je sais plus combien il m'en fallait. Attendez, je suis où? Je suis là. Oh non, il m'en faut 6 de plus. Oh non. Hop. Hop. Non, non, oui. Franchement, c'est rigolo. C'est rigolo comme jeu, j'aime bien. Incroyable. Incroyable. On peut se mettre ici, là. Et avancer avec. On avance beaucoup plus vite qu'elle, d'ailleurs. Ce qui n'a aucun sens pour un tapis roulant. Moi aussi j'ai mon propre Discord, je vous l'ai jamais dit, mais je l'ai créé il y a quelques...
semaine. Et j'ai rien mis dedans, donc j'en fais rien pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui va me manquer pour le grave? Beaucoup de câbles. Beaucoup de concrete. Non, ça va en fait. Et beaucoup d'iron rod et d'iron plate. Mais beaucoup de concrete. Enfin, 30. Quand même, c'est beaucoup. Enfin, que j'ai miné à la main là-bas. Et je vais aller poser un mineur, un MK1 là-bas. Fabrique-moi un mouton. Alors là, ça va être compliqué. Hein. J'ai pas accès encore. Hein. Ah, ça y est, je peux enfin récupérer la carapace. Non, non, c'est hyper pas cher. Les clés USB, les cartes SD, ça coûte rien maintenant. C'est affolant. Je me suis acheté une clé USB 64Go à genre 10 balles, un truc comme ça. 15 maximum, je sais plus. Alors qu'à une époque, tu voulais une clé 2Go, c'était... je me rappelle avoir acheté une clé 8Go, 30€ il y a pas si longtemps. 128Go à 18. C'est la folie. Et en fait, on a passé un point là récemment où sur certaines tailles, acheter un SSD est moins cher qu'acheter un HDD. Tu sais, genre sur des petites tailles à la con qui sont pas forcément demandées. Genre un HDD de 500Go va coûter aussi cher qu'un SSD de 500Go, un truc comme ça. J'ai vu passer un truc comme ça. Ouais. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je dis de la grosse merde. J'ai pas pris assez de trucs. Faut que j'y retourne. Ah ouais, mais t'as des promos où tu peux prendre du 1 Tera à 85€ ou un truc comme ça. Ce que j'avais vu la dernière fois. Ça me fait plaisir que vous soyez tous là pour regarder ce live. Je suis de plus en plus sombre. Vous me prévenez pas que le fond vert est en train de faire de la merde parce qu'il n'y a plus de lumière sur moi. J'arrive. Bonjour. Personne m'a prévenu quoi. Bravo. Après, méfie-toi, Bigaston, de si tu fais tes sauvegardes dessus, si jamais la clé elle crame, tu perds tout quoi. En général, c'est bien d'avoir deux ou trois endroits quand tu veux faire des vraies sauvegardes de trucs importants. Fais gaffe, t'as pas de lumière tout à l'heure, on voit rien. Ouais, c'est ça la fiabilité, c'est pas fou. Alors, qu'est-ce que je venais faire? Oui, du concrete. Putain, j'oublie très vite. C'est pas cher. Oui, mais alors, vu que la HDD coûte pas cher non plus, tu peux t'acheter un boîtier là où, qui te permet de faire du raid où t'as un NAS, un volume réseau, t'en mets 4 dedans avec de la redondance et tout, et c'est beaucoup plus fiable et ça va te coûter un peu plus cher, mais du coup t'auras un truc fiable pour le long cours, comme on dit, je crois. Bonsoir Stefcore, comment ça va? Mais tout le monde est là ce soir. Mais c'est fou. Alors, il manque plus que Feelgood, qui ne vient jamais au live. Upgrade. Putain, il m'en manque un. Il m'en manque un. Foutez de ma gueule. Bah bien sûr que c'est plus cher que 18€, mais... Mais ça dépend quel est ton objectif. Là, si c'est juste avoir une clé USB, prends une clé USB. Mais si tu veux te faire un système de sauvegarde et de backup cohérent qui va fonctionner sur le long terme, c'est mieux de prendre un NAS avec 4 disques durs où tu sais que s'il y en a 2 qui crament, c'est pas grave, t'auras toujours tes données, quoi.
crois que les chaînes de production sont bloquées. Hop, hop, hop. Alors, on va te mettre déjà ton concrete. On va te mettre un iron rod. Un peu des câbles. Tu t'en fous des câbles. Un peu des câbles en cuivre là. Des wires. SSD c'est déjà trop vieux. Maintenant c'est quoi? C'est les nouveaux, les NVMe là, les barrettes de disque dur. Le truc qu'il faut absolument prendre. Je suis trop une quiche moi en matos. Et pas dans le sens d'une quiche cool comme quiche, ma copine. Quiche dans le sens un gros naze. C'est aussi des SSD, c'est aussi des SSD ouais. C'est juste que c'est l'interface qui est pas la même et qui est probablement plus rapide. Salut Bigaston. Bonne soirée. Comment ça va au niveau de la latence ce soir quand je vous parle? Mais non, j'ai pas dit ça justement, Flag. T'as pas compris, j'ai pas dit ça. Tu te trompes. J'ai pas dit ça, c'est pas vrai. Dix Tonig. J'ai pas de latence, mais cool. Parce que cette nuit, c'est vrai que c'était un peu l'enfer. Mais en gros, c'est à chaque fois qu'OBS freeze, ça augmente la latence. Ce qui est très bizarre, je trouve, mais pourquoi pas. Alors, je me demande si le storage container... Ouais, c'est ça, y a un input, un output, mais il n'y a pas un truc où tu peux genre en stocker plusieurs. Mettre des storage ici. Ah, il me faut des iron plates et des iron rods. Si seulement j'avais des trucs qui les faisaient automatiquement. Ça devient de plus en plus cool. T'as de moins en moins de trucs à faire et tu... On va le mettre là. Non, pas là. Ça, c'est sur l'arbre. Voilà. C'était pas le placement le plus ouf pour la convoyeur belt qui va aller là. Alors il m'en faut 10. Et ici il m'en faudra 13. J'ai mon son qui déconne. Voilà. J'ai un faux contact dans le câble. Génial. En gros, OBS au lieu de cut reprend le live, il te diffuse quand même le moment que ça merde. D'accord. T'as un décalage. Oui. En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas. C'est un retard d'encodage, donc je m'attendrais à ce qu'en fait, juste ils transmettent pas les images et juste il reprend normalement, quoi. Quand il réussit à avoir. Après, non, peut-être que effectivement, en fait, il y a un retard d'encodage, mais qu'il encode quand même ces images. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait le power pole en plein milieu. Ça va couper. On va le mettre là. C'est où? C'était là qu'il se connectait. Du coup, faut que j'aille remettre le fusible. Take you to the lococlone. Dadu dadu iron. J'ai du mal à y reconnaître, je t'avoue. Incroyable. Alors c'est pas très malin de ma part effectivement. Et là je comptais mettre un deuxième stockage.
Mais j'ai pas assez. Si, j'essaie. Un deuxième stockage plus ou moins aligné avec celui-là. Comme ça. Avec du coup une deuxième convoyeur belt qui va ici. Incroyable. Take to the locomotion. Non mais en fait je crois que je connais pas la chanson ou ça me dit rien. Et je suis désolé de te laisser dans ton... Dans ton infamie. Non, ça ne veut rien dire, attends. Je suis désolé de te laisser dans ta... Dans ta référence. Je sais pas quoi dire, en fait. Craft Benjamin, ça en est bon. En fait, il faudrait faire un deuxième mineur MK1. Il me faut plus de concrete. Il me faut... Du concrete... Je vais faire un mineur là-bas pour le copper et ensuite on va... Pourquoi tu transformes cette planète paradisiaque en libre des... Parce que c'est le but du jeu. Le but de ce jeu, c'est de transformer, de polluer toute la planète en faisant de l'automatisation. Incroyable. Je trouve qu'on avance vachement vite dans le jeu quand même. C'est fou aussi, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus intéressé pour passer sur le live quand c'est pas du FF14 à 2h du matin et que c'est un jeu un peu moins de niche, on va dire. Et pas au milieu de la nuit. C'est comme si au milieu de la nuit, vous dormiez. Et ça... Ça, franchement... Je trouve ça fort, quand même. Alors... Qu'est-ce qu'il nous fallait? Mineur MK1. Il nous faut des iron rods aussi. Alors du coup... C'est encore pété. C'est pas possible, hein. Qu'est-ce qu'il y a? No power. Ah oui, bon. Non. 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 On va remettre juste un peu ça. Ça va pas tenir longtemps, hein. t'es cool. C'est cool, moi je prends tout. Hop. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai oublié déjà. Hop. Non, je voulais faire le mineur MK1. Il me manque le portable miner. Que je fais ici. Ah, c'est ce que je disais, ça a pété. Qu'est-ce qu'il me faut? Des 8 wires. Je vais faire ici. Hop, 8 wires. Ah ben non, parce qu'il faut des... Copper or, copper ingot, et j'ai pas de copper. Du coup, je suis parti pour faire un aller-retour. À moins que j'en ai mis là. Non. Mais je suis parti pour faire un aller-retour chiant. Alors que justement, je vais devoir... je vais faire le portable miner pour y retourner. T'es cool comme mec. Ouais, bah FF14, ça plaît aux gens à qui ça plaît. Hein. Je sais que j'ai conscience de dire... Quelque chose de pas très intéressant en disant ça, mais vous m'avez compris. FF14, ça plaît pas à tout le monde. C'est pas le genre de jeu que tu mets en fond si tu connais pas le jeu. Parce que c'est trop... Enfin, c'est compliqué à comprendre quand t'es pas dedans, quoi. Le Copernic. Ok. Merci. Je vais mourir. Je l'ai fait 4 fois déjà et il m'a dit
Si tu recommences, tu meurs. Donc je vais pas le faire. C'est du fer, ça, là-bas ? Alors, attendez, on va essayer de buter le... Voilà. On peut... Ah non, c'est de la limestone, mais il y en a beaucoup plus proche que ce que je vais chercher à chaque fois. Et là-bas, il y a un truc chelou aussi, il faudra que j'aille chercher. Alors... oui, si, c'est ça que je faisais. Non, c'est d'abord ça. Voilà, ensuite c'est ça. Ensuite c'est ça. Ok. Ensuite on va là-bas. On va s'amuser à ramener un câble électrique jusque là-bas. J'en profite pour ramasser des feuilles parce que j'en aurais besoin justement pour me faire le câble. Enfin, pas le câble, mais pour redémarrer le générateur. Ok, c'est parti pour un mineur MK1 avec la sortie vers la base que je ne vois plus. Là-bas. On va s'amuser aussi pour les convoyeurs belt. Hein. Genre, est-ce que vous pensez que ça, ça passe? Oh, ça a pas l'air de le gêner. Hein. Ah, si. Tout long, oui. Tout steep. Tout long, tout steep, tout long, tout steep, invalid aim location, tout steep. Franchement, moi je pense qu'il y a moyen de le faire. En faisant avec des pôles, au pire, tout steep, au pire on peut détruire. La coqueluche. Au pire, ça peut se détruire, se recycler. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire ici, là? Non? Oui? Oui? Si. De la biomasse. Il va me falloir que je me fasse une factory aussi de biomasse, sinon ça va être chiant. On va la faire, d'ailleurs. Un constructeur. Il me faut pour ça des reinforced iron plates. Ça va être l'heure de dire au revoir à YouTube aussi. On va les mettre. On va le mettre là. Car il n'a pas forcément à voir avec les autres. On va faire une power line qui va de là à là. Bon, là du coup, il me faut... Ou alors j'en mets un peu, genre comme ça, là je vais là, et je fais... Mais... Quelques feuilles pour me donner de la puissance, pour que je puisse te dire de mettre des biomasse. Ça marche pas ? Vas-y, fais de la biomasse. Voilà. Ensuite, moi j'arrive ici, je fais... Non, attends, prends pas les feuilles. Merde, je peux pas lui dire. Prends de la biomasse à la place. Rends-moi les feuilles. Et mets les feuilles. Tout ça pour pas aller à la table de craft moi-même, quoi.
Ah, la biomasse se bouffe quand même vachement moins vite. Hein. Ok, donc du coup, nous, pour ramener un poteau électrique là-bas, ça va être assez rigolo. Mais faisable. Franchement, j'y crois. Je me dis, on le met là. On le prend ici. On le ramène là. On en rajoute un autre. Là. On prend ici. On ramène là. On va manquer de câble. Hein. On en rajoute un autre. Là. On prend ici. On ramène là-bas. Et voilà. Ah, j'ai oublié de le mettre entre les deux. Et voilà. Je m'attendais à ce que le courant saute. Et voilà, là on est bien. Allez, on va dire au revoir à YouTube du coup. Je vais vérifier que le truc marche. C'est le convoyeur belt où on va s'amuser. Ça m'a l'air de bien marcher. Hein. Ça marche bien. Excellent! Je pense que le convoyeur belt, on peut se démerder. Je pense que le convoyeur belt. Ah! Je pense que le convoyeur belt. Elle est où? Là, convoyeur pole. On peut faire un convoyeur pole. À mon avis, et ça le monter et faire du coup un truc qui descende vachement haut. Il est temps de dire au revoir à YouTube. Ah, en fait, je suis con, je devrais mettre un raccourci sur Deckboard pour dire au revoir à YouTube. Merci YouTube d'avoir regardé. À la prochaine, des bisous.